La rentrée scolaire pointe à l'horizon, fini les vacances. Quelques parents s'inquiètent pour la situation actuelle de la crise sanitaire et économique. Abel Massamba et Sylvie nous témoignent. Vous savez que le pays en baisse, hein. Le pays à terre, rien ne fonctionne, rien ne marche. Là, les gens souffrent. Même rien que pour acheter les cahiers, ça devient des problèmes, des sérieux problèmes. Voilà. Donc, actuellement, le Congolais est en souffrance. Plus de chômeurs que les travailleurs, que le travail maintenant. Donc, tu veux bien faire, mais vraiment, c'est dur. On remet tout entre les mains de Dieu. Sinon, c'est dur, c'est compliqué. Grâce Elinga, Bénédicte évoque leurs difficultés. Le peu que j'ai trouvé, j'ai déjà acheté. Financièrement, oui, mais pas vraiment parce que je me débrouille pas mal. Avec la conjoncture, tout que nous savons tous, les moments sont devenus très difficiles. Mais comme on a des enfants, nous sommes censés, exemple, nous battre pour préparer la rentrée des enfants parce que c'est l'avenir de nos enfants. En raison des difficultés financières, certains parents ne sont pas capables de faire face aux besoins de leurs enfants. Signalons que l'ouverture des classes est pour le 4 octobre 2021.